L'histoire de la psychiatrie, il y a une évolution. Les premières recommandations collectives, la DRM, c'est ça, hein, des années 60, proposaient la psychothérapie, le langage. Et puis après, il y a eu une bascule dans les années 80-90. Et puis, cette bascule-là, elle n'est pas pour rien. Il y a les enjeux économiques. Et aussi, ça participe à une sorte de solutionnisme qui est vachement dans l'air du temps de notre libéralisme. C'est-à-dire que c'est une question politique. Dire, on a un problème politique, il faut un homme providentiel. Tu as un problème de santé mentale, tu prends un médicament. Tout ça, c'est fastoche. Solution simple. Alors que c'est un problème d'une complexité infinie, qu'on n'a bien sûr pas tenté de résoudre avec cet épisode, on a juste posé des questions. Et c'est des questions qui sont des questions taboues.